Salut les amis. Bon, toujours dans le cadre de mon initiation au Karna. Moi, je suis un ultra débutant, on va dire. J'ai même du mal à lancer toujours. Donc, je suis arrivé là sur ce petit coin intéressant. Ce qui se passe, c'est qu'on a un petit lieu avec un grand lac. Je suis venu à la base hein, parce que le lac m'intéressait pour venir y pêcher la carpe. Et puis en passant, j'ai vu qu'il y avait pas mal de fouilles, enfin non, pas mal de chasse dans un petit renfoncement là qui se trouve juste derrière moi. Et j'ai déjà fait quelques petites perches assez intéressantes. Elles sont vivaces, elles sont pas très grosses, mais ça fait quand même plaisir. Donc du coup, je suis là avec mon petit leurre et je m'amuse bien depuis tout à l'heure. Puis je pense que je vais rester encore une petite demi-heure sur ce petit trou, essayer de voir ce que je peux faire en changeant un petit peu les leurres, voir si j'arrive à capter du poisson un peu plus gros. Bon, on va venir pêcher, on va venir profiter et on va essayer de filmer du poisson. Ouais, ça filme là. On se croirait dans Louis de Funès là. C'est trop facile. Hein. Petite perche mignonnette. Et jette-moi le revient, c'est la même. C'est ça. Hey, vous vous moquez de moi là, c'est pas bien. Bon les gars, je suis devenu un pro de la perche. Hein. Hop là, regardez-moi ça. Hop, punaise, la pauvre. Allez, retombe, retombe. C'est bon, elle est redescendue. Allez. Regardez-moi ça. Regardez, regardez la technique. La technique, c'est celle-là. Voilà. Eh voilà les gars, moi je vous ai dit professionnel de la perche. Eh Amine. Il doit y en avoir un wagon. Oh punaise. Allez. Regardez les gars, regardez. Belle petite perche. Hop là. Eh, j'en ai déjà fait peut-être 5 ou 6. Depuis comment je suis arrivé, c'est pas loin de la dizaine, ouais. Avec les petites. Ouais, elle est toute petite. Hop là! Eh les gars, ça sert à rien de faire de sortir les flottes tubes, les basses bottes. Il suffit de trouver les bons endroits. Ça, c'est le sens de l'eau, les mecs, je vous le dis. Ils disent tout ça, les pêcheurs. Hein, moi, j'ai le sens de l'eau. J'ai pas besoin de l'éco-sondeur. Voilà. Ah, il faut aller en chercher un peu ailleurs. Là. Regardez comme ça chasse là. Et puis ce matin là en fait il y a plein d'alevins. Et quand je suis arrivé au bord de l'eau là j'ai vu pas mal de perches. J'ai décidé de sortir un petit peu ma canne là. Bon après le leurre est vachement léger par rapport à la puissance du moulinet. Donc du coup bon, je suis un débutant. Hein, donc j'ai du mal à lancer vraiment correctement. Vous moquez pas. Hop punaise, je fais des nœuds en plus. Mais malgré tout, j'ai fait une dizaine de petites perches là pour l'instant. Ouais, peut-être une dizaine. Ouais. Oh, punaise. Et le monsieur là-bas, il m'a dit, il faut pas pêcher la carpe. Hein. Il m'a dit, attention, hein, c'est interdit. Ah, mais je lui explique que la carpe, ça mange que la nuit. Donc, c'est pas très gentil pour les carpistes. Mais bon, il me dit que les carpistes aussi laissent la merde au bord de l'eau. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à ça, moi? Allez, on va réessayer là, le petit trou magique. Allez, on réessaye. Tain, ça vaudrait le coup de mettre une caméra là. Oh, ouais. Hop là, les gars, regardez, professionnel. Champion du monde, ça y est là. Elles sont mignonnettes. Hein. Il y en a des grosses ici. Hop là.
Putain, regardez les gars. Petite perche. Là, t'en as l'été, quand c'est le moment, hein, à l'ouverture. Les mecs, ils se mettent en pointe là. Ouais. Ils viennent y caler. Hein, mais, alors, moi, j'ai dit, oh, s'il n'y a pas de maille, il ne faut pas les jeter. Il les laisse par terre. Hein. Ah, il les laisse par terre? Il les laisse par terre. Hein. Ah ouais, non. Alors, j'ai dit, je le connaissais en plus, hein, le gars. Pourquoi il faisait ça? Ouais, mais avec le petit, c'est pour s'amuser. J'ai dit, ouais, mais à relâcher. Mais oui. Comme les dallons, j'ai dit. C'est alors, pas un poisson chat, hein. Elle comme ça, je sais même pas. Pas loin du kilo. De perche? Ouais. Alors il est laissé crever, après il est allé lui demander au collègue là, au Marocain. Il demandait s'il voulait. Le Marocain dit non, moi j'en mange pas de poisson. mais il a laissé là. J'ai dit, relâche-le, putain, j'ai dit, c'est pas vous, j'ai dit, c'est pas qu'on allumine pas avec ça, mais bon, je veux dire, il y en a. Et si tu ne veux pas, relâche-le. Ouais, non, c'est sûr. Ça sert à rien de tuer pour tuer. Hein. Mais non, moi je pêche au cou. Hein. Ah, mais moi aussi, j'ai longtemps pêché à l'anglaise. Hein. Je pêche beaucoup au cou, à la canne. Hein. Et nous, tout le poisson qu'on fait, je relâche. Moi, hein. Alors, on en fait, hein, c'est régal. Hein. Ouais, moi je pêchais à l'anglaise beaucoup à l'époque. Au cou et à l'anglaise. C'était mes pêches préférées quand j'étais petit. Je regardais toutes les vidéos à Jean de Skey. Ah, regardez les chasses là-bas. Allez, on va aller chercher. On va aller chercher, mademoiselle. Si j'arrive à lancer, bien sûr. Hein. Ah, punaise. Je sais pas lancer avec ces moulinets. Il faut que je me fasse apprendre parce que c'est pas évident. Hein. Ouais, mais ils sont à saison. C'est vraiment la folie, j'arrête pas depuis tout à l'heure. Allez, on réessaye. Oh putain, je sais pas si vous avez vu la chasse. Mais c'est joli, mais c'est pas piqué. Allez, petite perche encore toute mignonnette, hein. Vraiment sympa à faire. Hein. Oh, une jolie. Oh là là, celle-là elle est belle. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, vraiment. Elles sont nombreuses. Oh, celle-là elle est belle, celle-là elle est belle. Hop là, celle-là, ah celle-là c'est du lourd. Celle-là c'est du lourd, c'est la plus grosse de ce matin. Ah celle-là elle fait zizir. Allez copains, elle fait plaisir celle-là. On va tout faire pour pas l'abîmer. Oula, celle-là elle fait plaisir les copains. Pour y passer la journée sur ce trou. Allez. Hop là. Ah là là. Encore un beau poisson. Encore une belle perche. Oh là là. Regardez-moi ça. Une belle petite perche encore. Allez, on la relâche. Oh là là.
Il y a des grosses. Il y a des grosses qui arrivent. On va essayer de choper un coup plus gros. On va essayer. Allez. Encore une belle petite perche. Faire une petite photo. Regardez le pro, c'est ça là. Tout est dans le mouvement et dans le sens de l'eau. On appelle ça le sens de l'eau, les mecs. Hop là, je l'ai raté celle-là. Attends, il faut se cacher les copains. Là, je me cache. Hop là, c'est ça les gars. Le sens. Oh punaise, j'ai raté. J'ai raté. Oh punaise, j'ai raté. Voilà. J'ai raté. Hop. Ah, encore raté. C'est pas bon ça. Je suis pas content. Attends, je me cache. Hop là, celle-là je l'ai eu. Oula. Hop là. Le sens de l'eau, les copains, le sens de l'eau. Ça y est, professionnel de pêcheur de perche. Hop là. Elle est jolie. Hein. Regardez les copains, elle est pas belle. Elle est pas belle celle-là. Elle est pas belle. Le sens de l'eau. Ça aussi, c'est le sens de l'eau, les mecs. Allez. Elle est là. Hop là, raté. Bon, mais ça y est, il est déjà temps de reprendre la route. En tout cas, j'ai passé une très bonne session. Enchaîner ces petites perches, ça a vraiment été un régal. Maintenant, on verra comment on va essayer de s'adapter aux leurres les prochaines fois. Parce que là, vraiment, j'ai fait plus de la pêche au toc. En termes de pêche, ça ressemblait plus à ce que je faisais sur les ruisseaux quand je pêchais la truite, quand j'étais plus jeune. Là, vraiment, j'ai trouvé un petit courant intéressant. Je posais mon leurre dedans. J'avais même pas besoin à trop le manier. Je faisais une technique au toc, c'est-à-dire que je laissais le courant déplacer mon leurre, l'activer. Et moi, je faisais des petits à-coups pour le faire monter, descendre, voir dans les couches d'eau, là où le poisson mordait. Plus je descendais, plus je faisais des grosses. Et non, ça a été un régal. Hein. À peine j'ai posé le premier leurre, j'ai fait une petite perche. Bon, voilà, il n'y a rien de bien technique dans tout ça. J'ai juste trouvé un bon spot. Mais je me suis régalé, j'ai dû faire plus d'une dizaine de poissons parce qu'avant que je commence la vidéo, j'avais déjà fait 5-6 poissons. Donc vraiment, non, c'est un régal. En tout cas, j'ai pris plaisir. Je sais pas si les autres sessions au leurre seront aussi prometteuses, mais si c'est le cas, je vais vite adhérer à cette pêche-là, je pense. Allez, ciao les gars, on se retrouve bientôt pour un nouveau In The Game. Cette fois-ci, ça parlera de la carpe, qui est avant tout quand même ma pêche de prédilection. Allez, ciao les gars.